leçon, Owen the Saints. Dernière leçon, mais pas dernier morceau, je t'ai préparé quelques morceaux supplémentaires pour t'entraîner. Dans ce morceau, nous allons travailler le rythme et la mélodie. Pour la mélodie, attention au doigté, nous allons utiliser le doigt numéro 1 en case numéro 2 de la corde de sol pour jouer la note La. Donc regarde bien les doigtés, ils sont indiqués sur la partition comme tu en as l'habitude. À la main droite pour le rythme, nous allons jouer pouce et doigt en alternance, comme on l'a déjà fait. Alors pour l'accord La, le pouce grattera la corde de La. Pour l'accord Ré, la corde de Ré. Et pour l'accord Mi, la corde de Mi. J'ai dit pour l'accord Ré mineur également, celui qui est indiqué avec le D petit M, donc Ré mineur, qu'on a vu justement dans la leçon. Tu verras qu'il y a aussi un accord noté A7, donc le La7. Il est facile à faire, c'est comme le La, sauf qu'on enlève le majeur, donc le doigt numéro 2, et ça nous donne le La7. C'est parti pour le rythme. Pour la mélodie maintenant, départ enlevé, donc je vais donner le départ en disant 1, 2, 3, tin, 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 tin. Donc on commence juste après le troisième temps. Si tu te donnes le départ, tu peux faire pareil, 1, 2, 3.